aujourd'hui une nouvelle vidéo. Bon, c'est un peu difficile de tenir la caméra comme ça, mais bon, je vais un peu me mettre en mode vlog. C'est la première fois que j'en fais un, donc c'est un peu bizarre. Là, j'ai la caméra à 2 cm de ma tronche, donc regarder l'objectif, enfin, ne pas regarder l'objectif, c'est assez difficile. Après, normalement, on va aller dans ma chambre. Enfin, normalement, c'est ce qui va se passer. Donc, excusez-moi si ça tremble un peu, enfin, parce que là, j'ai le bras qui est pas très stable. Je voulais pas utiliser de trépied pour rendre le truc un peu plus réaliste, donc voilà. J'espère que le format vous plaira. Là, justement, j'utilise un éclairage. Voilà. Mais quand on sera dans ma chambre, il n'y aura pas du tout l'éclairage. Donc ce sera un éclairage beaucoup plus dégueulasse. Donc soyez un peu plus indulgents. Je vais essayer de mettre l'ISO au maximum pour que ça fasse quand même clair que vous voyez quelque chose. Mais en gros, je vais vous faire un tour de ma chambre. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, mon cousin il est venu chez moi et il a vu ma chambre. Et je pense que ça l'a quand même intéressé de voir le matériel qu'ils utilisaient, l'environnement de ma chambre en fait, tout simplement. Alors que je tournais mes vidéos, je pense que ça lui a plu. Donc je me suis dit pourquoi pas la montrer sur ma chaîne YouTube, ça serait plutôt cool. Donc j'espère que le concept vous plaira. Donc moi là, je vais me lever, je vais enlever l'éclairage parce qu'il faut pas rêver. Hein, l'éclairage, il va pas me suivre partout dans ma chambre, ça va être trop relou. Pour une fois, la caméra sera pas sur moi, elle sera donc dans ma chambre. Vous pourrez la voir. Donc à tout de suite. Donc appréciez la dégaine là. C'est comme ça que je suis d'habitude chez moi. Je vous montrerai avec quoi je mets ça. D'habitude, hein, comme je vous ai dit, moi, c'est juste le haut que je travaille. Le reste, on s'en fout. De toute façon, c'est que ça qu'on voit. Mais bon, là, je suis obligé de vous montrer. Donc là, c'est à la porte. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ouais, un autre point que j'ai oublié de dire. L'autofocus, je sais pas s'il va le faire. Donc soyez, s'il vous plaît, respectez un peu. Je sais pas s'il va bien fonctionner. Mais pour l'instant, là, ça a l'air pas trop dégueulasse. Donc, vous voyez la porte. Quand on arrive là... Donc on voit le bureau, qui est un peu bordélique, je dois dire. J'ai préféré laisser dans un mood assez naturel. Mon objectif 50 mm, donc c'est le deuxième objectif que j'ai. En plus de celui que j'ai maintenant, là. Est-ce que je vais réussir à sortir? Oh, c'était galère. Voilà. Ça ressemble à ça. Là, on a tous mes vêtements d'hiver. Donc on a mes bonnets. Différents bonnets. Ça, c'est des gants que ma tante m'a offert. Donc mes deux bonnets là que je vous dis que je portais, donc ils sont là. Mon bonnet bordeaux et mon bonnet noir. Mes écharpes, donc mon écharpe grise, mon écharpe noire et mon écharpe gris clair. Là-bas on a ma casquette que j'ai toujours pas réussi à vendre. Celle-ci là, la noire et rouge. L'emballage de mon micro qui m'est très utile maintenant. Donc là on a le parapluie que j'ai utilisé, je dis bien le parapluie parce qu'en fait, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une lampe qui est ici. Elle marche plus du tout. Il va falloir que j'en rachète une autre. Donc c'est pour ça que là, pour la petite intro que je vous ai faite, j'ai utilisé qu'un seul parapluie. Mais bon, ça, le rendu était pas trop dégueulasse. Donc je suis plutôt content. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? Oh. Je savais même pas que j'avais encore ça. J'utilisais avant pour faire des abdos. Je sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais c'est tout con. En fait, tu roules. Enfin, tu fais rouler le truc, tu le tiens devant toi. Et tu roules, ça travaille les abdos, quoi. J'ai pas du tout bien expliqué, mais bon, si vous tapez abdominaux, exercice abdominaux sur YouTube, vous allez trouver forcément une vidéo qui explique comment utiliser ce truc. C'est archi bateau. Mais bon, je l'ai utilisé, bon, allez, à tout casser, 2-3 mois. Parce qu'après, on a eu la flemme. Après, vous avez mon lit, l'endroit que j'aime le plus dans ma chambre. Là, tout ce bordel, donc là, c'est tous mes fils, mes câbles essentiels, en gros. Là, donc, on arrive à tous mes vêtements. Bon, tous mes chapeaux, on va dire. Bon, on va mes casquettes. Une, deux, trois. J'en ai une nouvelle de noir parce que l'autre était vraiment trop dégueulasse. Je sais pas si vous voyez. Le truc part vraiment... voilà. 12 casquettes plus un chapeau que j'ai porté dans ma dernière vidéo. Donc là, on passe ensuite au pantalon. Oh, je les ai trop bien pliés, je suis trop fier de moi. Mes vêtements d'hiver, mes hauts, mes pulls, mes vêtements d'hiver. Là, on a toutes mes chemises. Là, on a tout le reste de mes vêtements que je sais pas trop comment qualifier. On a les sweats. Ouais, essentiellement les sweats et les t-shirts. Après, donc, on passe à la partie la plus intéressante, mes vestes. Donc là, ici, j'ai deux portants, parce qu'à la base, j'avais un seul portant, mais tout ne rentrait pas, donc j'en ai acheté un deuxième. Donc on a le portant avec toutes mes vestes. Donc voilà, peut-être que je vous ferai un... Peut-être que je vous montrerai toutes mes vestes un jour. Si ça vous intéresse, dites-moi. Parce que là, je fais des propositions dans ma tête, il y a plein d'idées de vidéos qui me viennent. Si vous voulez que je vous montre toutes mes vestes, dites-moi, que je les commande, que je vous montre comment les porter, etc. Ça peut être pas mal. Et on a tous les suites à capuche. Les suites à capuche, les gilets, les trucs longs en fait, que je peux pas mettre ici. Donc voilà, on a tout ça. Après, nous passons à cette partie. Donc là, c'est la partie avec mes chaussures et les quelques pantalons que je porte plus dans cette saison. Désolé pour l'éclairage là, mais c'est parce qu'on est en dessous du velux. Je baisse un peu pour que ce soit un peu moins agressif. On a ce short de sport, ce jogging, les shorts. En fait, que des shorts parce que là, on va passer en automne, donc j'en aurai plus besoin. Donc, qu'est-ce qu'on a comme chaussures là? On a donc mes chaussures de montante blanche, des Chelsea boots, noires ici et beige là. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Voilà, donc on a mes sneakers noirs,
mes Vans rouges, mes chaussures blanches, mes Victoria bleues, des chaussures un peu plus habillées ici, là. Voilà. D'ailleurs, je vous avais pas montré dans All My Shoes, celle-là. Je les avais oubliées. Celle-ci, clairement, bah, je les porte plus. Je les porte maintenant pour le sport parce que bah, j'aime pas trop le design, en fait. Mes chaussures de sport, bah, je savais pas où les mettre parce que, comme vous voyez, il y a plus de place. Je vais pas les empiler les unes sur les autres, sinon elles vont être dégueulasses à la fin. Donc mes chaussures de sport, que je porte plus du tout, elles, parce qu'elles sont trop sales. Mes mules, enfin mes mules d'hiver. Et les tongs que ma mamie m'a offert. Voilà, ici, donc on a la télé que j'ai envie de virer de ma chambre parce que clairement, j'utilise que quand je dois faire des parties, par exemple, quand je dois jouer à la Wii avec mes frères. Et c'est pas juste que ce soit moi qui sois obligé de la garder parce qu'elle me prend la place. J'aimerais bien, par exemple, être mon deuxième portant à ce niveau-là. Yo. Et ici, enfin, donc ça sera la conclusion. On a les vêtements dont j'ai envie de me débarrasser. Donc, ce jean, ça, bah, je vous avais déjà montré, hein. Et ces bonnets. Voilà, voilà. Je vais vous faire un petit dernier tour, là, comme ça, de loin. Donc, voilà, voilà, voilà. Oups, parapluie. Voilà les gens, cette vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions que je vous ai posées durant la... pendant que je filmais ma chambre, à savoir genre est-ce que vous voulez que je fasse un All My Jackets, All My Hoodies. N'hésitez pas non plus à me follow sur Insta. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être que ce sera dans ce format là, mais je pense vraiment pas parce que c'est pas pratique. Là je tremble comme un malade parce que je tiens la caméra à bout de bras quoi, c'est pas ouf. Donc je pense que ce sera plutôt dans le format, l'ancien format. À moins que vous me demandiez de faire un All My Jackets, All My Hoodies. Dans ce cas là je tiendrai quand même la caméra à bout de bras, je ferai un effort pour vous. On va voir. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tchuss.